Je suis ici dans cette école pour mener un atelier sur les musiques électroniques. Donc en gros, ça consiste à ramener des instruments, les donner aux élèves, leur montrer comment ça marche et les laisser jouer en encadrant un petit peu cet espace d'improvisation. Et le deuxième temps, c'était de préparer le concert et la restitution du projet qui se tiendra à rock et chanson. Et donc je suis arrivé avec quelques propositions d'accords, de mélodies. Et après, j'ai mis ça en commun avec les enfants. On a déjà essayé de les jouer ensemble. Et après, à partir de cette base, on a co-créé avec les élèves pour emmener une track un peu plus loin et en essayant de les faire jouer un maximum. On a fait quelques écoutes au début de morceaux qui ne connaissaient pas pour essayer de comprendre ce que c'était les musiques électroniques, pour essayer de comprendre aussi que c'était quelque chose qui était très large. Mais après, par contre, on s'est détaché de ce qu'on avait écouté pour essayer de faire un truc à nous, pour voir là où on allait arriver et qu'on ferait sûrement quelque chose qu'on inventerait nous-mêmes, le style école jeu de Michelet. L'atelier avec Florian s'est très bien passé et j'ai aimé. Ce que j'aime de cet atelier, c'est qu'on s'amuse, c'est qu'on est dans l'apprentissage. Une fois, on est parti d'une poésie, par exemple, et aussi, on s'inspire tout seul. Florian nous dit de faire des trucs et ça fait des musiques. On s'amuse et aussi, on apprend des nouvelles choses. Si on réfléchit trop, là, grâce à la musique, on peut un peu oublier toutes les nouvelles choses qu'on a dans nos pensées. On peut s'exprimer, on partage notre passion et voilà.